fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal spécial de ce soir portera essentiellement sur deux points. Dans la première partie, nous parlerons évidemment du cas de Jésus, le seul prétendu homme qui rêvait de vaincre la mort. Dans le second point, nous recevrons sur ce plateau d'éminentes personnalités qui se prononceront sur l'affaire de ce Jésus en question. Ceci étant, nous sommes donc au premier point. Jésus, le seul prétendu homme qui rêvait de vaincre la mort. Depuis que les hommes existent sur terre, ils ont toujours été humiliés par la mort. Les riches comme les pauvres, les savants comme les analphabètes, ont tous chacun impuissamment rendu le dernier souffle. On se rappelle, comme si c'était hier, la mort du grand Socrate, la mort également d'Alexandre le Grand, et j'en passe. Si tous ces grands esprits ont été engloutis par la mort, qui osera même dans un rêve croire l'avoir vaincu? Cependant, depuis 3 ans, le nommé Jésus dit le Christ a déclaré publiquement comme en privé sa capacité de vaincre la mort, entraînant derrière lui des foules. Les autorités politiques et religieuses pour la sécurité de la nation ont fini par porter la main sur lui. Il fut donc depuis hier cloué sur une croix, puis enseveli. Deux autres brigands de classe exceptionnelle ont subi le même sort, mais le dossier de Jésus est assez particulier puisqu'il a lui-même fixé un temps pour être ressuscité. Nos invités à tour de rôle se prononceront sur lui et sur son projet d'auto-résurrection. Sans plus tarder, je vais commencer par le savant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Les téléspectatrices, téléspectateurs ainsi que moi-même seront ravis de faire votre connaissance. Je me nomme Gilgamesh, je suis savant. Savant, mais pas n'importe lequel. Le comité scientifique vous reconnaît comme étant le plus grand savant de notre siècle. Qu'en dites-vous? C'est exact. En effet, je suis même parvenu à élaborer de grandes théories et des centaines de thèses. Mais à l'heure où nous sommes, aucun jury n'ose affronter mes travaux. Enfin, bref, revenons sur le dossier qui fait actuellement la chaleur du jour. Comment expliquez-vous, en tant que grand savant, l'état d'âme du nommé Jésus qui a cru vaincre la mort et l'a prêché publiquement? Malheureusement pour lui, il est inhumé depuis hier. Depuis 3 ans, je suivais ce jeune homme, bien sûr, dans un esprit scientifique, pour comprendre quelle était sa théorie et quelle était la logique qui guidait ses actions. Ses discours, indubitablement, jouissaient d'une certaine vie avec des arguments péremptoires. À un certain moment donné, le comité scientifique l'avait même retenu provisoirement comme personne ressource capable d'affronter mes thèses en question. Mais malheureusement, depuis qu'il a prêché publiquement sa propre résurrection, eh bien, il a été systématiquement rayé de la liste. Ah bon? Pourquoi parler de sa propre résurrection? En fait, il faut le comprendre dans un certain sens. Il a tout simplement fait un transfert de rêve. En d'autres termes, après avoir rêvé qu'il est mort et ressuscité, il a transféré son rêve sur le terrain de la réalité. Il arrive que des personnes rêvent qu'elles sont mortes. Et généralement, dans le rêve, on se croit vraiment mort. Heureusement, une fois réveillé, on s'aperçoit que ce n'était qu'un rêve. C'est très exactement cette même confusion qui est arrivée à ce jeune homme-là. Merci, ça va. Je vous en prie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes l'un des plus grands docteurs de la loi. Pharisien et membre du conseil de jurisprudence juive, à savoir le Sanhédrin. C'est exact. Nous savions bien que Jésus est mort depuis hier. Peux-tu revenir à la vie le 3e jour comme lui-même l'a prédit? Merci à Yahvé, le Dieu de mes ancêtres, pour cette table ronde. Avant de vous révéler combien est fausse la déclaration de Jésus, selon laquelle il serait lui-même ressuscité, je voudrais m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui déplorent la mort de ce blasphémateur, à cesser au risque d'attirer sur eux la colère de Yahvé. Car cet homme-là, il mérite la mort, et mieux encore la croix. En effet, depuis 3 ans, il n'a cessé de troubler nos âmes. Et pire encore, il se prend pour fils de Dieu. Pourtant, ses parents sont parmi nous. Son papa, un pauvre charpentier du nom de Joseph, sans aucune fonction religieuse importante parmi nous. Ce Jésus, il a grandi sous nos yeux, jouant avec les enfants du quartier. On le croyait sérieux, ce Jésus. Dès qu'il a eu ses 30 ans,
Nous l'avons retenu un jour, il y a de cela 3 ans, comme prédicateur. Erreur monumentale. Vous parlez d'erreur. Regrettez-vous qu'il soit reconnu et accepté de tous comme prédicateur? Bien sûr. Car après avoir lu comme texte de base les livres du prophète Ésaïe, en guise de commentaire, il osa nous affirmer avec une forte conviction que le Messie dont il est question dans ce passage-là était bel et bien lui. Qu'est-ce qu'un tel homme méritait si ce n'est la mort? Et Dieu aidant, nous avons pu l'ôter de notre milieu. Mais d'après qui sera ressuscité? Ouh! Quel mensonge! Et d'ailleurs, pour contrecarrer ce mensonge, nous avons demandé à l'autorité romaine de dépêcher des militaires pour garder sa tombe. Car ses disciples, à les regarder, sont capables d'enlever de nuit son corps pour justifier leur rêve de résurrection, comme l'a bien souligné M. le savant. Merci, docteur. Je préfère plutôt le titre de pharisien, et mieux encore, les deux. Ok, c'est noté. Merci, pharisien. Merci, docteur. Pour boucler notre table, nous allons écouter maintenant le meilleur athlète des Jeux Olympiques. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci, madame. Je m'appelle Meilleur. Je suis célibataire sans enfant. Ah bon? Sans enfant? Qu'est-ce que vous dites? Je viens de vous dire que je n'ai aucun enfant et vous... Ok, excusez-moi. J'avais mal entendu. J'ai cru comprendre sans. Bref, revenons sur l'essentiel. Est-ce que votre nom a un rapport avec vos performances en athlétisme? Oh non, pas du tout. Quand je naissais, mes parents ignoraient ma future vocation d'athlète. D'ailleurs, au départ, ils me reprochaient pour avoir choisi le dernier des métiers. Ils disaient que courir est un mouvement qui se veut ponctuel, selon eux. 3 situations peuvent amener l'homme à courir. Courir pour se sauver la vie, courir pour acheter le temps, et enfin pour attraper son gibier. Aujourd'hui, l'athlétisme m'a porté à l'honneur, non seulement aux yeux de mes parents, mais aussi à la vue des autres membres de la société. Et des médailles de bronze, des médailles d'or. Et je suis aussi titulaire d'un compte bancaire, pas du tout souverain, au contraire. Il est très bien alimenté et puis... Toutes mes félicitations, Meilleur. C'est un grand plaisir pour moi d'entendre votre voix. Je suis sûre et certaine que les téléspectatrices et téléspectateurs partagent ces sentiments avec moi. Oui. Néanmoins, revenons sur nos moutons. Autrement dit, quelle est votre position sur l'affaire de Jésus de Nazareth? Notamment sur la sentence qu'il a portée à la croix. Croyez-vous que cette mesure soit légitime pour lui? Ensuite, le défunt lui-même a prédit qu'il reviendra à la vie 3 jours après son inhumation. Croyez-vous à cela? Personnellement, sa mort m'a vraiment choqué. Il y a 2 ans de cela, je n'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques pour raison de santé. À l'époque, je l'ai regretté. Mais la mort de Jésus est encore plus pénible pour moi. Celle-ci demeure le plus grand choc de ma vie. Car j'ai beaucoup aimé son affaire. Jeune homme, répands-toi. Tu es en train d'attirer la colère ardente de Yahvé El Shaddai en regrettant la mort de ce blasphémateur. Pharisien, calmez-vous s'il vous plaît. Vous nous ferez preuve de grandeur d'esprit ainsi qu'à ceux qui nous suivent en direct en respectant l'opinion des autres intervenants. Merci de la compréhension. Mais, et si par hasard je suis revenu à la vie? Mais en toute sincérité, si Jésus revenait à la vie, je rejoindrais ses disciples. Mais voici qu'il ne reviendra jamais à la vie. Au grand jamais. Il vaudrait plutôt le rejoindre dans sa tombe. Un de nos illustres invités n'a pas pu effectuer le déplacement pour raison d'agenda très chargé. Avec Carlos, notre reporter, nous avions pu recueillir directement les impressions de cette personnalité. Il s'agit de Monsieur le Baron, le plus grand industriel du monde. Suivons plutôt. Allô, Carlos, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois parfaitement depuis le château de Monsieur le Baron. Et le Baron, l'aviez-vous eu? Si. Nous vous passons donc l'antenne. Allô? Tu as raison. Effectivement, le 2, j'étais à Paris, le 5 à New York, le 10 et le 12 à Ouagadougou. Le 25, j'étais à Hong Kong et même demain, je dois prendre l'avion pour monter, pour terminer le mois à Amsterdam. Heureusement que j'ai 2 avions personnels et 2 hélicoptères pour pouvoir effectuer mes voyages.
Oui. Ok. Pour ça, ne t'inquiète pas. Voilà, je vais faire virer quelques milliards dans ta banque pour qu'elle ne tombe pas en faillite. Oui. Tu peux compter sur moi. Merci. Ok, bye bye. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs car Baron est en communication. Allô, monsieur le Premier ministre? Oui. Oui, pour cette question, sur cette affaire de budget, des salaires des fonctionnaires, ne vous inquiétez pas. Oui, puisque je vous dis de ne pas vous inquiéter, ne faites même pas cas de cela en conseil. Vous direz au président, à son excellence, monsieur le président, de ne pas s'inquiéter car il aura les éloges des fonctionnaires de son territoire, il aura les acclamations de tous les étudiants, et bien sûr, oui, effectivement, avec les retombées économiques de mes industries, on sera capable de pouvoir de doubler les salaires et même d'octroyer des bourses conséquentes à tous les étudiants sans exception. Oui, merci. Merci, monsieur le Premier ministre. Oui, merci. Ok, bye bye. Oui, excuse-moi. Tu disais que tu voulais savoir mon opinion sur... Sur Jésus notamment. Ah, toi, tu es un bon journaliste et tu suis l'actualité. Effectivement, je suis représentant de la maison Isuzu. Et actuellement, nous sommes même à la recherche d'une fille, d'une gérante ou d'un gérant pour pouvoir lancer les opérations de vente pour un poste de vente que nous avons mis en place la semaine passée. Il ne s'agit pas d'Isuzu, mais de la mort de... La mort de qui? Jésus de Nazareth. Non seulement il est mort, mais il paraît qu'il serait ressuscité le troisième jour de son inhumation. En d'autres termes, il reviendra à la vie. Qu'en dites-vous? Comment? Est-ce qu'il avait l'argent? Moi, je pense que même nous, les riches, nous mourrons. Par exemple, mon docteur m'a dit que, avec les bonnes conditions de vie que je mène, je pourrais facilement compter 120 ans avant de partir. Mais un type pauvre comme lui, je ne peux pas comprendre, puisqu'il n'avait pas, n'a même pas son nom sur la liste des opérateurs économiques de notre pays. S'il meurt, je ne peux pas comprendre comment il va revenir à la vie. Tu sais, bon, je n'ai aucun intérêt pour ce sujet. Et notamment, je te serais reconnaissant si tu médiatisais davantage et tu portais mes produits sur le premier plan de vos spots publicitaires. Là, je te serais reconnaissant. Merci, Baron, et au revoir. Merci à mon confrère Carlos pour ce duplex. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine à la même heure, nous allons rapidement faire un tour de table pour écouter le dernier mot de chaque invité. Nous commençons par le docteur de la loi. Je voudrais, au nom du Sanhédrin, à mon nom propre et surtout à ma qualité de docteur de la loi, pharisien issu de la tribu de Juda, rendre grâce à Dieu et saisir l'occasion pour vous demander de dominer vos émotions afin de ne pas vous laisser aller au deuil à cause de la mort de ce blasphémateur. Car il était pour nous une gangrène et l'ôter s'inscrivait absolument dans la volonté de Yahvé. S'agissant de son impossible de résurrection, cela n'arriverait jamais. Merci. Savant, votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de passer quelques minutes hors du labo. Ça m'a fait du bien. C'est vraiment relax. Faisant allusion à la notion de résurrection, je crois que je me sens personnellement interpellé à juste titre, à éclairer la lanterne du commun des mortels. Et concrètement, la semaine prochaine, je tâcherai de publier dans le journal du Monde un article qui pourrait éventuellement s'intituler « Rêve et émancipation de l'individu, cas de Jésus ». Merci à Savant du Monde. Je vous en prie. Mais à votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Ça me va droit au cœur de partager ce plateau avec vous, Esther, et également avec celles ou ceux qui nous suivent actuellement depuis les quatre coins du monde. Jusque-là, je suis vraiment passionné dans le vrai sens du terme de voir Jésus revenir à la vie. J'ai même refusé de participer à un marathon pour cette attente. Merci bien à nos chers invités. Merci également à nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes bel et bien au thème de notre édition de ce soir.
Au revoir et à la semaine prochaine. Entendu aujourd'hui. La... Entendu aujourd'hui la bonne nouvelle du salut. Désormais, la porte du ciel est grandement ouverte pour quiconque veut y entrer. Cette porte est Jésus-Christ. Sa présence en nous efface tous nos péchés et produit le vrai bonheur de notre cœur. Jésus-Christ est celui qui donne la guérison de votre âme, de votre esprit, de votre corps. En Jésus-Christ, nous avons pleine autorité sur tous les démons, sur tous les sorciers, sur tous les mauvais esprits. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a même déclaré, je ne mettrai pas de celui qui vient à moi. Il a précisé en disant, je tiens. Oui, que peut-on faire? Voilà qu'il est revenu à la vie. Nous avons essayé de donner de l'argent aux militaires qui ont gardé la tombe, de nous aider un publier qui n'est pas ressuscité. Mais hélas, c'est l'échec. Quel échec? Si tu parles d'échec, nous allons t'excommunier de la synagogue. Tu subiras une peine de mort et tes biens te seront confisqués. Donc on n'a pas échoué. Jésus sont en train d'annoncer une nouvelle qu'ils appellent bonne. De temps en temps, ils parlent de Jésus ressuscité. Des miracles même accompagnent leur vie. C'est super! Tabitha, tu es trop jeune pour ainsi perdre la tête! Tu es trop jeune! Dépêchez la sécurité pour nous ramener ces fauteuils de trouble. Dépêchez-les! Je te prie au nom de Jésus, bénis-les. Dans le nom de Jésus, écris leur nom dans ton livre de vie. Pardonne-leur leurs péchés et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Nous vous interdisons formellement de répandre cette nouvelle croyance dans la ville de Jérusalem. Pour le bonheur de vos familles respectives et pour réduire le nombre de veuves et d'orphelins en Israël, il serait sage de votre part de renoncer d'une manière absolue ici et maintenant à tout projet faisant mention du nom de cet homme-là. À vous de décider. Le oui pour avoir la vie sauve et le non pour tous mourir. Comment ne pas parler de ce Jésus qui sauve? Pourquoi taire cette vérité? Au contraire, je vous le dis, chaque jour de notre vie, nous parlons de ce Jésus, de son amour, de son salut, de sa seigneurité. Garde! Amenez ce blasphémateur au prétoire! Garde!
Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, notre journal spécial n'a qu'un seul point. Bon gré, mal gré, Jésus est ressuscité des morts. Jésus, l'homme qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a doublé récemment les aires de nos émissions, malgré les signaux incessants et persistants de l'antenne. L'homme qui faisait l'objet de ridicule pour les savants et les riches, l'homme qui excitait au plus haut degré la colère et la jalousie des pharisiens, a finalement vaincu la mort, comme lui-même l'a prédit. Il a battu les théories des savants en brèche. Il a prouvé aux pharisiens sa seigneurie et sa qualité de messie. Désormais, les riches reconnaîtront leur misère et se remettront à lui. Mais, aussi évidente soit-elle la résurrection de Jésus, de farouches oppositions sont toujours observables du côté des autorités religieuses. Escorte de Francisco à Jérusalem. Merci à mon confrère Francisco pour ces images. En réalité, les pharisiens persécutent les disciples de Jésus en vain, car l'annonce de l'Évangile est une grande commission appelée à partir de Samarie, à toucher les extrémités de la terre en passant par la Judée et la Samarie. Tel est l'ordre qu'il laissa à tous ceux qui croient ou qui croiront en son nom. Une autre déclaration de sa part qui mérite d'être considérée est d'annoncer son prochain retour. 7. L'impossible, c'était de ressusciter le troisième jour de son inhumation. Et si Jésus a vécu la mort et vit des siècles et des siècles, certainement, rien ne pourrait l'empêcher de paraître dans les nuées avec gloire et puissance, comme lui-même l'a encore souligné. Que l'amour infini, ainsi que l'omnipotence de Dieu, nous accorde le privilège de raconter ce Jésus-là, le seul homme triomphateur de la mort, vainqueur du péché. En sa qualité de sauveur et de bon berger, il nous mènerait paisiblement dans le royaume des cieux. Ainsi s'achève notre édition. Je me joins à toute l'équipe de réalisation pour vous remercier de votre constante fidélité à notre chaîne. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, passez une agréable soirée dans la paix du Christ.